C'est dans quelle occasion sur le boulevard Cap-Haïtien là? Bon, nous avons l'occasion de travailler pour que nous préparions les destinations Cap-Haïtien. Nous connaissons ville là, grand problème, côté des machines sous côtoir, marchandes sous côtoir. Et nous avons essayé ça faire d'abord dans la phase nous. Nous d'abord nous avons sensibilisé nous, nous avons parlé nous, nous avons averti. Parce que nous avons fait une intervention pour que nous ne soyons pas c'est appris à faire. Nous même comme autorité qui est responsable, nous venons dire que nous avons une semaine là pour que nous levions côté au Chita, nous retirer les machines côté au météo. Maintenant, à partir de semaine, d'ici lundi ou mercredi ou plus tard, nous faisons opération gros nègre. Mais avant de faire opération gros nègre, nous avertissons comme responsables pour nous dire que nous mettons consommation pour nous-mêmes, nous allons au délai, nous déplacer, nous parler avec eux pour nous déplacer et d'ici semaine prochaine, nous allons commencer à faire. Ça veut dire opération gros nègre. Opération gros nègre veut dire, on va venir avec chargeur, on va venir avec remorqueur. Nous avons saisi marchandises, nous avons saisi cadres, nous avons levé, nous avons remorqué machines et laissé à mon ami pour payer et retourner un jeune bagage. Si vous le voyez, vous êtes communal. Tout côté, depuis ce côté, ça a fait tout communal d'abord. C'est la déjà qui est arrivé, nous avons fait centre-ville aujourd'hui, demain nous avons fait l'autre bon pont, de Pont-Rouge 5 jusqu'à Madeleine. Après demain nous avons fait et barrière bouteille, ensuite nous avons fait Banc du Nord. Ça veut dire que nous avons une opération de sensibilisation, d'information pendant 4 jours et ensuite, semaine prochaine, la promotion opération pour les gars. Décision ça qu'on prend, qu'on passe spot dans la rue pour avertir ça. Mais des fois, mon yo qu'on rete, bah, yo pas même prend ça en charge, puis on même prendre quelle décision. Est-ce que finalement, nous avons dit décision ça, il va le prendre? Non, cette fois-ci, nous prenons tout de bon, et dit qu'on fait action, nous fait action, puis on retourne encore. Mais qu'on y a là, nous fait, nous pas faire action d'abord, nous parler avec eux, nous informer eux, nous sensibiliser eux, et que nous même pas faire opération, retirer, déblayer la rue. Semaine prochaine. Depuis ces conteneurs, depuis ces machines qui sont sur le boulevard, là, vous devez regarder là, après la consommation, mettez pour vous, vous ne pouvez pas vous. Maintenant, nous parlons des brigades qui parlent camper sur le boulevard là, qui parlent assurer que vous faites suivre. Vous parlez de destination Cap-Haïtien, est-ce que destination ça, c'est seulement pour le moment fait au Cap-Haïtien, nous connaissons 15 août pour venir là, ou bien c'est une décision Cap-Kembe pour tout le temps?
décision sans ma là une fois pour toutes, c'est que nous disons qu'on travaille sur récupération, parce que nous avons une ville qui est censée charger, surcharger même avec une quantité de monde qui a des capacités. Il y a des actions qui ont fait d'un coup, on est obligé de faire au fur et à mesure. C'est que nous parlons de plan de récupération. C'est au fur et à mesure pour que nous travaillons pour récupérer le centre-ville là, après pour récupérer la section communale. Merci. Ça veut dire que c'est pour Marie qui est là pour faire là seulement, mais son Marie qui a été en continuité pour permettre pour lui respirer et nous en souffrir. Merci Maïs. Magistrat Patrick Almondon dans la rue Cap-Haïtien, amis téléspectateurs, journal 9 yo, côté on prend décision pour capable de déblayer trottoir. Trottoir Cap-Haïtien, donc on est en pile machine surtout sur le boulevard là. Sur le boulevard Cap-Haïtien, en pile machine, en pile machine qui quitte bien.